avec Ultraji attaqué à son intérieur par Bosseur, attaqué également par Palais de Clermont et par Parklight qui vient à l'extérieur. Là, Apex de l'avenir, il prend la 105, c'est bien pas trop faute, chute de Bosseur à la dernière, ouais, avec le droit Ultraji en tête depuis le départ, qui est en tête donc devant Palais de Clermont, Alex de l'avenir, il est avec le château et Jean-Claude pour les passes devant Parklight, qui plafonne avec le droit Ultraji, Thomas Morin qui vont s'imposer de bout en bout, même si Alex de l'avenir finit bien, mais trop tard, la victoire pour le droit Ultraji devant l'axe, Alex de l'avenir. Vainqueur de son premier groupe 3 à 47 ans, Fabrice Fouché a vécu une émotion extraordinaire grâce à Ultraji, un AQPS de 8 ans qui s'est imposé de bout en bout le dimanche 6 octobre 2016 dans le prix Carmartin à Auteuil. Entraîneur installé avec 25 chevaux seulement dans la ferme familiale de Saint-Michel Chef-Chef, en Loire-Atlantique, Fabrice Fouché travaille sur une petite piste de 800 mètres. Mais il utilise surtout le plus beau des terrains naturels, une immense plage toute proche qui donne sur l'estuaire de la Loire entre Saint-Brévin et Saint-Nazaire. Ultraji est arrivé en début d'année, au mois de janvier, à la maison suite à la mauvaise affaire Le Gaillard. Donc voilà, Pierre et Nelly ont décidé de le confier, comme j'avais eu un saut à la maison, je pense, et ça s'était bien passé. Voilà, j'étais ravi de recevoir ce cheval. Je l'avais suivi quand même dans ses courses de plat à QPS, et vraiment c'était un cheval de qualité. Quand je l'avais vu gagner à Angers, chez Christian Le Gaillard, j'étais pas étonné de le voir gagner de 10 longueurs, c'est toujours un cheval que j'ai bien aimé. Donc forcément, je savais que c'était un cheval de qualité, donc j'étais content de le recevoir. Maintenant, j'avais vu qu'il était plutôt... cheval très tendu, toujours. Donc voilà, le travail qu'on a fait, c'est essayer de lui redonner goût à ce qu'il fait, voilà, de le détendre et qu'il fasse ça détendu avec l'envie, qu'il respire bien. Et en fin de compte, à chaque fois qu'il court depuis le début de l'année, c'est extraordinaire parce qu'à chaque fois c'est mieux, il gagne 100 mètres à chaque fois qu'il court. Alors j'espère que ça peut continuer encore 3-4 courses, ça sera le summum. Jusqu'à là, voilà, c'est ce qui se passe. On le voit encore aujourd'hui, il a couru il y a 4 jours ou 5. Et il y a 4 ou 5 jours qu'il a couru. Il est revenu dans un niveau comme la veille de la course. C'est un cheval assez extraordinaire, c'est ce que j'ai dit. Il a une possibilité de récupération de tout, c'est assez formidable. Bah, la dernière victoire, c'est un groupe 3, donc c'est préparatoire au Grand Prix d'automne. Ouais, c'est vraiment, on s'évertue à travailler le mieux possible tous les jours. Ces courses-là nous font envie. Chaque cheval va à son niveau, mais... quand on a la chance d'aller à ce niveau, c'est extraordinaire. Je pensais pas la gagner, j'avais pas trop la pression avant la course. Alors quand on voit la dernière heure, tout se passe bien et que puis qu'on s'aperçoit qu'on va la gagner, bah, ça crée une émotion assez intense. À ce moment-là, je pense à ma famille. Tout le monde adore ce qu'on fait. On est groupés. Tout le monde qui travaille chez moi, qui font du travail appliqué. Voilà, c'est une émotion pour tout le monde. Moi, c'est quelque chose d'assez grand, effectivement. On court après ça et quand on y arrive, c'est long, mais ça fait du bien. J'ai commencé, j'avais 18-20 ans à entraîner des chevaux chez moi, j'étais tout petit. Il a fallu faire sa route doucement mais sûrement, avec des progrès constants. J'ai jamais cherché à avoir une grosse écurie. Je faisais attention à mes chevaux. Petit à petit, la qualité s'est améliorée. Bon, les résultats sont en progression. Ouais, maintenant, il faut continuer comme ça. Il ne faut pas vouloir être trop gros, mais il faut toujours être appliqué et essayer d'avoir un petit effectif. Petit, il y a 25-30 chevaux pour moi, c'est bien. Et d'essayer, pas garder forcément les mauvais chevaux. Il faut faire un tri assez rapidement. On passe autant de temps sur un mauvais cheval que sur un bon. Donc, quand on s'aperçoit que finalement, il n'y a pas grand-chose à faire avec un cheval de petit niveau, faut essayer d'en prendre un autre et finalement on se retrouve avec un piquet de chevaux qui est assez intéressant au fur et à mesure du temps.